Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire très spécial organisé par lepetitjournal.com. Nous avons la chance aujourd'hui, ce soir, d'accueillir Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger, la francophonie. Le secrétaire d'État a aujourd'hui organisé un déplacement virtuel en Argentine, au Chili, au Paraguay, en Uruguay. Il va très bientôt nous rejoindre. Je vais d'ailleurs l'inviter à nous rejoindre sur scène, ça va être le cas. Donc vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui et j'en suis absolument ravi, vous les Français d'Amérique latine, et vous allez pouvoir, comme je le disais, poser toutes vos questions. Certains, nombre d'entre vous l'ont déjà fait d'ailleurs par email. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées et nous en sommes absolument ravis puisque l'objectif, c'est au cours de ces 45-50 minutes, peut-être un petit peu plus, de pouvoir aborder tous les points qui vous intéressent, vous les Français d'Amérique latine. Bonsoir, Monsieur le Secrétaire d'État. Bonsoir, Jean-Baptiste Lemoyne. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Eh bien, écoutez, Ah, je ne vous entends pas. Il faut que vous activiez votre micro, je pense. Un alors petit là, onglet en il est bas à gauche. activé. Est-ce que vous m'entendez? Il est activé. Voilà, c'est bon, super, parfait, très bien. Ok, super. Bah, écoutez, ravi de vous retrouver. Ben moi de même. Donc j'étais en Je train viens. d'accueillir nos internautes. Je disais qu'on était extrêmement nombreux, qu'ils avaient déjà été très nombreux à poser des questions. Donc vous aurez beaucoup de questions à répondre. Et tant mieux parce que c'est l'objet de cette rencontre. Merci pour avoir répondu à l'invitation du petitjournal.com pour parler à ces Français d'Amérique latine. Je rappelais que vous aviez fait un déplacement virtuel aujourd'hui donc en Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay. Il y a beaucoup de points donc à aborder avec ces gens-là. Je vais juste rappeler donc il y a un petit onglet questions sur la Voilà, les premiers commencent d'ailleurs à poser les questions. Dites-nous où vous êtes, posez-nous vos questions donc sur le fil de questions. Je les transmettrai à Jean-Baptiste Lemoyne. On va essayer d'aborder évidemment tous les points. Il y a peut-être des questions qui se répéteront. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum, bien entendu. Je vous rappelle également que le webinaire sera disponible en replay, c'est-à-dire dès la fin de ce webinaire. On a à peu près 45-50 minutes ensemble. Donc dès la fin de ce webinaire, il sera disponible en replay et il sera aussi visible dans un article du Petit Journal dès demain que vous pourrez retrouver évidemment sur lepetitjournal.com. Alors, Monsieur le Ministre, bah, écoutez, je suis ravi de vous avoir avec nous. Vous voulez peut-être dire un petit mot déjà rapidement pour nos Français d'Amérique latine, de cette région du monde. Et puis après, on aborde très rapidement les questions. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger alors avec les représentants des Français d'Amérique latine, avec les conseillers des Français de l'étranger. Alors, on était sur le cône sud, hein, je précise les choses, avec les élus eh bien, d'Argentine, du Chili, d'Uruguay, du Paraguay, avec également les représentants de la communauté d'affaires, les conseillers du commerce extérieur, les chambres de commerce, et naturellement avec nos ambassadeurs, nos consuls, les équipes comment dire, de coopération, les équipes consulaires. Et je peux vous dire que ben voilà, il y a tout le monde est très dévoué, très motivé, parce que ce sont des périodes très complexes que nous vivons et qui nécessitent eh bien, d'accompagner au mieux les communautés, encore une fois, dans une période totalement inédite. Et en fait, on est depuis un an, même un peu plus maintenant, en fait, ce sont les Français de l'étranger qui, les premiers, ont été frappés par cette pandémie de Covid. Souvenez-vous, c'est en janvier 2020. Ils étaient Français établis en Chine, à Wuhan, et nous avons dû en rapatrier un certain nombre. Ça a commencé là, et puis après, nous avons tous été soumis à tout ça, et nous avons eu à cœur de répondre présent. Mais il y a plein de questions, et on va parler, notamment, j'aurai beaucoup de questions sur la mobilité, naturellement, Bien je vais sûr. revenir, mais je vous rends l'antenne, si je puis dire, hein. C'est vous qui animez, naturellement. Allez, bien entendu, je commence par la première question. Je pense que déjà le fil de questions le démontre. Je crois que la préoccupation principale, c'est ce qu'on a vu nous dans les questions qu'on a reçues. C'est évidemment les frontières, hein, la possibilité de se déplacer. Je vois Marine, par exemple, qui dit quand les Français expatriés pourront-ils rentrer en France? Je crois que c'est la plus grande préoccupation qu'on ressent. Est-ce que vous avez des nouvelles à donner de ce côté-là? Où en est-on? Peut-on faire un point sur ce sujet des déplacements et notamment de nos Français de pouvoir rentrer dans leur pays? Bien sûr. Alors, sur ce sujet de la mobilité, il est vrai qu'on a dû prendre des mesures pour éviter la diffusion des variants. Et les variants, ils viennent
hélas, d'un certain nombre de territoires. Il y a le variant britannique, il y a le variant sud-africain, il y a le variant brésilien. Et c'est dans ce contexte-là, en janvier, où il y a eu une augmentation et une importation de ces cas, eh bien, qu'on a pris des mesures de limitation de la mobilité internationale. Je dis limitation parce que ce n'est pas une interdiction pure et simple. Et surtout, hélas, tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence, ils sont soumis. Ça veut dire que les Français établis hors de France sont soumis à ce régime, mais les Français de métropole, les Français d'outre-mer sont soumis à ce régime. Et un ultramarin résident en métropole, il ne peut pas retourner à La Réunion, sauf motif impérieux, il ne peut pas retourner en Nouvelle-Calédonie, sauf motif impérieux. Donc, on est, hélas, tous sous ce régime. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais depuis un an, on apprend aussi à ajuster les dispositifs, les mesures pour freiner au maximum la diffusion soit du virus, soit des variants. La situation en France montre que ces décisions ont plutôt porté leurs fruits. Je m'explique. En France, nous n'avons pas eu à nous confiner ces dernières semaines, alors que d'autres pays voisins le sont totalement. Cette efficacité, elle a comme corollaire effectivement ces contraintes. Mais je veux dire que d'une part, ces contraintes, elles ont vocation un à être temporaires, très clair. Et donc, on espère que ça sera le plus temporaire possible. Et deuxio, il existe une liste indicative, d'ailleurs, de motifs impérieux pour des motifs familiaux, des motifs de santé, des motifs professionnels. Cette liste, à partir d'un certain nombre de cas concrets qui nous sont remontés, et notamment des échanges que j'ai pu avoir avec les communautés, nous travaillons à l'élargir, à l'assouplir. Donc, c'est une annonce que je vous fais ce soir parce que c'est aussi le fruit d'un travail interministériel, le fruit d'un travail mené avec au Conseil de Défense, autour du président de la République, avec Jean-Yves Le Drian. Ce travail, il va aboutir dans les tout prochains jours ce qu'on puisse notamment prendre en compte de nouvelles situations familiales, notamment dans ces motifs impérieux. Un élément que je voulais apporter ce soir. Je crois que vous allez faire de nombreux heureux parce qu'on a eu beaucoup de questions autour notamment de parents âgés, malades, de problèmes de gens qui ont des problèmes de santé, bien entendu. Ces sujets de parents âgés, malades sont d'ores et déjà prévus dans la liste existante, je le précise, parce que parfois, je peux vous dire ici que le cabinet est très mobilisé pour accompagner du mieux possible les uns et les autres pour aider. Beaucoup de gens aussi se retournent en pensant qu'ils ne peuvent pas voyager, alors qu'en réalité, ils rentrent dans les cases qui permettent de voyager. Donc, il est très important de bien télécharger les documents. Et encore une fois, on va assouplir cette liste. Mais regardez bien, souvent, vous pouvez rentrer dans les cases. Alors, certains, je le vois d'ailleurs dans la boucle, évoquent le caractère anticonstitutionnel ou le fait qu'on prenne des mesures qui ne sont pas conformes au droit européen ou autre. Vous pensez bien qu'on ne s'amuserait pas à mettre ce type de contraintes pour embêter les gens. Certains d'ailleurs ont saisi le Conseil d'État, mais le Conseil d'État, il a jugé d'ailleurs il y a quelques mois que l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire faisait que les différentes autorités devaient prendre un certain nombre de dispositions pour sauvegarder la santé de la population. Et ces mesures, c'était dit, elles peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentales. C'est le Conseil d'État qui l'a autorisé comme ça. Encore une fois, c'est pas pour le plaisir. On espère que ça sera le plus court possible. On va également l'assouplir. Et j'espère qu'on pourra très vite retrouver une vie normale, vivre avec le virus. Se posera peut-être la question tout à l'heure également de comment voyager dans le futur, vaccination, pas vaccination, etc. C'est un débat sur le passeport vaccinal, un débat aussi éthique qui mérite d'être mené. Alors, avant d'aborder la partie des vaccins, monsieur le secrétaire d'État, on a Jérémy, par exemple, qui demande, mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer organiser des voyages en France avec des tests PCR, une quarantaine, une quarantaine à l'aller ou une quarantaine au retour, comme ça peut se pratiquer peut-être parfois dans d'autres pays, et qui permettrait à nos compatriotes, dans ce cadre-là, de pouvoir rentrer dans certaines conditions.
Alors, d'ailleurs, enfin, c'est le cas. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la liste du motif qui permet de voyager, vous êtes soumis au test PCR, parce que le test PCR, c'est l'élément le plus fiable aujourd'hui pour s'assurer que vous n'êtes pas porteur du virus. Et couplé avec, effectivement, la septaine qui va bien. Donc, ce sont effectivement des éléments qui demeurent requis. Voilà. Alors, on voit qu'il y a beaucoup, enfin, c'est vraiment une préoccupation très forte, donc c'est pas pour vous relancer, mais c'est juste pour, j'aimerais bien que vous nous redites, donc nos compatriotes qui sont dans ces cas de figure peuvent avoir accès à voyager, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se rapprocher des consulats, se rapprocher des postes, qu'est-ce que vous leur recommandez? Alors, j'incite à la fois, regarder le site internet du ministère de l'Intérieur, du Quai d'Orsay, pour télécharger les attestations de déplacement, la liste indicative des motifs impérieux, et ça permet justement de montrer que pour des raisons familiales, des raisons de santé, des raisons professionnelles, vous pouvez prétendre au retour. Il y a aussi des gens d'ailleurs qui souhaitent, c'est vrai que j'ai entendu cela lors de mes réunions précédentes, cet après-midi, on me disait manifestement il y a eu quelques baisses d'effectifs dans les lycées français, c'est peut-être dû aussi à des retours sur le sol national. Naturellement, si vous êtes de retour sur le sol national, oui, bien sûr, vous pouvez rentrer. Et de la même façon que s'il y a un certain nombre de situations qui l'imposent. Voilà, regardez bien tous ces documents et surtout, on va les actualiser d'ici quelques jours pour y inclure de nouvelles facilités. Vous avez une date à nous donner ou c'est encore un petit peu tôt? Écoutez, je pense que c'est l'affaire d'une semaine. D'accord, très bien. Bon, ben, voilà, c'est une bonne nouvelle pour tous nos internautes et c'était nombreux à, et on les comprend, à se préoccuper pour cela. Je voulais aborder également la question des amoureux, disons-le comme ça. On a vu cette campagne Love is not tourism, qu'on peut comprendre évidemment au plus haut point, hein, parce qu'il y a des personnes effectivement qui ont été séparées parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils ne sont pas paxés. Est-ce que là également, vous avez des annonces à nous faire pour cette question-là en particulier? Alors, effectivement, les personnes qui n'étaient pas mariées, pas paxées, pendant plusieurs mois n'ont pas pu se retrouver. Donc, à partir d'août-septembre, on a tenu, et j'ai tenu, c'était un long combat interministériel, je peux vous dire, mettre en place une procédure dérogatoire de laisser-passer, justement, de dérogation. Pas loin de 2500 personnes ont pu en profiter d'ailleurs. On a eu un taux d'acceptation de 80% des dossiers qui étaient déposés. Et cette procédure, hélas, on a dû la suspendre. Je dis suspendre, ça ne veut pas dire y mettre fin. C'est compte tenu effectivement des mesures qui étaient prises fin janvier pour limiter la mobilité internationale. Il y a eu cette suspension, mais j'ai demandé à ce que nos postes, les consulats, puissent continuer à instruire les dossiers qui étaient déposés pour que, dès lors que la mobilité internationale est facilitée, ces gens n'aient pas à attendre encore en plus l'instruction du dossier. Donc, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. D'accord. Et ça inclut le PAX, l'union civile, c'est pas simplement le contrat de mariage? Alors, c'est pour les gens qui sont ni mariés ni paxés. Si vous êtes paxé, il me semble que vous rentrez bien dans un cadre qui est celui des conjoints, je dirais ordinaires, pardon de ce terme qui n'est pas très propre. Beau. On a des, il y a des jeunes couples notamment qui nous ont écrit et évidemment qui vivent cette situation assez difficilement, ce qui peut se comprendre. On a Sheikh par exemple qui dit qu'il préparait son mariage en France et du coup se retrouve un peu coincé. Donc, espérons pour lui que ce soit prochainement une libération. Léa au Chili qui demande à quand la reprise des visas longue durée pour les couples séparés. Donc, vous avez en partie répondu. Je vois, parce que je prends à la volée. Allez-y, bien sûr, tout à fait. Le but, c'est de répondre à nos internautes. Je prends à la volée, là. Peggy qui dit, mais quand saura-t-on? On a le droit de savoir. 4 points d'exclamation. Justement, on y travaille à partir d'éléments de situation que les uns et les autres vous nous avez communiqués. Donc, réponse définitive,
courant de semaine prochaine. L'idée, en tous les cas, c'est notamment d'apporter des réponses pour les situations familiales. Il y a des familles qui se sont retrouvées séparées parce que il y a un conjoint qui travaille dans un pays, l'autre réside avec la famille en France. Eh bien, pour l'instant, effectivement, ils se retrouvaient avec ces motifs impérieux, dans la difficulté pour se retrouver. Bon, voilà, c'est des choses comme ça, sur lesquelles on travaille. Donc, beaucoup tourné autour des motifs familiaux. Oui. Parce que je vois Sébastien, par exemple, qui dit « Les compagnies aériennes bloquent le retour n'ayant pas de définition claire des motifs impérieux. » Alors, vous êtes aussi le secrétaire d'État au tourisme, donc les compagnies aériennes, vous êtes en permanence en discussion avec elles. Est-ce que, par exemple, c'est des choses sur lesquelles vous communiquez beaucoup avec les compagnies de façon à ce que ce soit très clair et qu'il n'y ait pas de blocage? Oui, et puis nos postes également le font. J'étais en déplacement virtuel également aux États-Unis, c'était il y a une dizaine de jours. Je peux vous dire, par exemple, les consulats sur la côte ouest, j'ai des exemples très concrets, ils sont en contact avec les compagnies aériennes pour pouvoir répondre aux questions, s'assurer que les personnes qui manifestement rentrer dans les cases puissent bien partir. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à actionner nos postes. Ils peuvent être en relation avec les compagnies aériennes localement. Je crois que ça fait partie de l'accompagnement nécessaire, étant donné qu'on a édité effectivement ces règles. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être aborder la dimension vaccination, puisque là, on est en pleine campagne de vaccination en France et dans plein de pays dans le monde. Donc, on a eu pas mal de questions aussi autour de ce sujet, puisque bon, qui dit se vacciner dit évidemment de se protéger, protéger les autres et éventuellement pouvoir voyager. Donc, Pascal nous demande, est-ce qu'il y a une date pour la vaccination des Français de l'étranger contre la Covid-19 qui est prévue? Au-delà d'une date, est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a une organisation? Comment vous imaginez les choses? Ou alors, c'est finalement chaque Français qui sera vacciné dans son pays? Alors, on y travaille activement depuis plusieurs semaines. D'une part, on a d'abord demandé à tous les postes de faire un recensement à la fois non seulement des besoins, mais des stratégies vaccinales qui sont mises en place dans les pays. Parce que il y a un certain nombre de pays dans lesquels les vaccins proposés par les autorités locales sont homologués ou identiques à ceux homologués par l'Union européenne. Et donc, dans ces cas-là, il est possible de pouvoir se faire vacciner dans le cadre de la stratégie locale de votre pays de résidence. Et donc, quand on fait le décompte, ça concerne en fait l'immense majorité de nos communautés, puisque ça concerne 84% des Français établis hors de France dans 50% des pays. Alors, ça veut dire que c'est essentiellement aussi le gros des bataillons dans les pays Union européenne, États-Unis, Canada, ce type de pays. Après, il y a 16% des Français établis hors de France qui, eux, sont dans des pays qui ne proposent pas des vaccins de type homologué par l'Union européenne, voire même parfois, c'est le cas de Madagascar, où les autorités locales ont dit « nous ne vaccinerons pas » parce qu'eux, ils disent « on a une plante, ça s'appelle l'Artemisia » et donc, voilà, c'est la recette magique. Donc, naturellement, là, on travaille et donc, chacun des postes est en train de nous proposer des solutions sur mesure pour proposer des alternatives. Et donc, les alternatives, c'est voir comment on s'appuie sur l'écosystème médical local à partir du moment où éventuellement, nous, on peut acheminer aussi certains vaccins. Mais pour cela, il faut aussi relever ce défi logistique parce qu'il y a des vaccins qui se transportent plus facilement que d'autres. Par exemple, les tout premiers, vous savez qu'il y avait un respect de la chaîne du froid qui était très strict et donc qui se prête pas forcément à cela. En revanche, l'AstraZeneca ou le Johnson, qui n'est pas encore homologué, mais on espère que dans quelques jours, il le sera, d'ailleurs, est basé sur une seule injection, sera plus facile peut-être à manipuler. Donc, on est dans ce travail maintenant sur les 16% de Français qui sont pour l'instant dans des pays où les vaccins ne sont pas homologués pour mettre en place des dispositifs alternatifs. Et j'espère que nous pourrons du coup proposer des premières injections début mai, sachant qu'en France, on en est encore à vacciner essentiellement les seniors, les personnels soignants et que donc, vous le voyez, hein, on est loin d'avoir une vaccination intégrale encore. Et donc, voilà, on va suivre cette montée en puissance. Par ailleurs, je précise que
Encore une fois, je le dis, les motifs impérieux, ils ont vocation à être temporaires. À un moment, les Français établis hors de France, également de façon générale, on l'espère, pourront revenir de façon, sans qu'il y a à produire aucun motif naturellement. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé pour que les Français de l'étranger de passage en France puissent également se faire vacciner en France. Certains reviennent à l'occasion des vacances, etc. Un certain nombre de centres vont être sensibilisés au fait qu'il y a ce public-là. Goupillé un système avec le ministère de la Santé parce que, naturellement, quand on réside à l'étranger, on n'a pas forcément un numéro de sécurité sociale français. On a, d'un point de vue administratif aussi, tout organisé pour que la prise en charge puisse se faire. J'ajoute d'ailleurs qu'on a supprimé le délai de carence, qui faisait qu'avant, quand vous reveniez en France, il y avait 3 mois pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. On a mis fin à ça, naturellement, déjà depuis la pandémie. Oui. La vaccination, de ce fait, en France, sera gratuite, bien sûr. Et ça sera poursuivi le délai de carence parce que je crois que c'était pour un trimestre. Alors en fait, on l'a continuellement reconduit à la fin de ce délai de carence. On l'a pris lors de la première phase de la pandémie, ça durait jusqu'à septembre, après on l'a reconduit. Là, ça va jusqu'à début avril et ce qui est bien, c'est que avant il fallait la loi pour le bouger, maintenant on est habilité pour le faire de façon réglementaire, donc un simple décret suffit et naturellement, tant que la pandémie demeure, on ne reprendra pas cela. D'accord. Donc, on a tous bien compris que à partir du moment où les Français pourront revenir en France, ils pourront aussi s'y faire vacciner pour ceux qui n'ont pas pu le faire dans leur pays. Est-ce que si un passeport vaccinal, c'est une des questions qui revient souvent, si un passeport vaccinal se met en place, ce qui est possible, pour ceux qui n'auront pas accès dans leur pays aux vaccins homologués en France, est-ce qu'ils vont pouvoir accéder au territoire national, quitte par exemple à se faire vacciner en France ? Alors, sur cette question du passeport vaccinal, qui est un grand débat éthique en réalité, doit-on conditionner l'accès à la mobilité, l'accès à un avion, au fait d'être vacciné ? Nous, en France, le gouvernement français, on estime que c'est un choix particulièrement lourd et on considère qu'il ne faut pas aller jusque-là. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, nous avions une réunion des ministres du tourisme de l'Union européenne. Je constate que il y a plutôt d'ailleurs beaucoup de pays qui considèrent que si quelqu'un n'est pas vacciné, il doit pouvoir continuer à voyager, mais à ce moment-là, on demandera la production d'un test PCR négatif. Ça, c'est normal, il faut s'assurer qu'il y ait le minimum de contamination possible. Je précise en plus que sur le vaccin, on avait besoin d'avoir aussi des études scientifiques pour savoir quelle était la corrélation, le lien entre vaccination et non-transmission. Les premières études sont en train de sortir. J'ai vu une étude écossaise notamment qui semble accréditer cette thèse, mais jusqu'à maintenant, il y avait peu de certitudes scientifiques. Donc, voilà un peu les données du problème. Je pense qu'il faudra, à l'avenir, permettre aux gens, y compris qui ne sont pas vaccinés, de pouvoir pénétrer sur le territoire national, mais à ce moment-là, produisant un test PCR. D'accord, très bien. C'est clair, c'était une des questions d'Isabelle qui est de Cordoba en Argentine. Je vois que Thierry demande, est-ce que cela signifie que nos compagnes étrangères pourront se faire vacciner, ou compagnons, pourront se faire vacciner ici en France, si elles peuvent venir lors d'une réouverture ? Alors là, c'est encore un cas, qu'il faut qu'on étudie. C'est l'intérêt de ces rencontres et de ces réunions. Ça permet également de soulever un certain nombre de sujets. Donc, on va regarder ce cas-là. D'accord, très bien. J'ai noté qu'il y avait, on a eu plusieurs emails de personnes qui nous disent que ce sont les vaccins chinois et russes qui sont dispensés dans certains pays de la zone. Est-ce que aujourd'hui, vous avez des informations comme quoi ces vaccins pourraient, par exemple, être homologués dans le cadre de déplacements de Français qui ont été vaccinés avec ces vaccins-là, qui pourraient accéder au territoire national ? Alors, sur ces vaccins-là, alors je note d'ailleurs que les Russes, je crois, vont déposer une demande d'homologation pour leur vaccin auprès des autorités sanitaires européennes. Donc, on va voir ce que disent les autorités sanitaires européennes en termes d'homologation ou pas. Donc, affaire à suivre de ce point de vue-là. Et ce débat sur
justement, comment dire, l'accès au territoire selon les types de vaccins, c'est un débat, enfin, c'est pas un débat, c'est un travail qui est en train d'être conduit. Je ne peux pas anticiper sur la réponse parce que, justement, c'est un travail interministériel lourd avec le ministère de la Santé, notamment. Et donc, le président de la République, d'ailleurs, nous a réunis hier pour y travailler. On va continuer. Et donc, j'espère qu'on pourra apporter des réponses dans les toutes prochaines semaines là-dessus. Alors, vous avez, je crois que cette crise, je dirais, elle nous incite à être très humbles parce qu'on n'a pas toutes les réponses comme ça d'un claquement de doigts parce que ça nécessite beaucoup d'investigations, beaucoup d'expertise. On est face à quelque chose quand même d'assez inconnu. C'est déjà finalement un miracle qu'en un an, je crois, plusieurs vaccins aient pu sortir. Voilà, c'est pour dire que il est normal de ne pas pouvoir avoir des réponses immédiates sur tous ces sujets parce que c'est un processus d'instruction en continu et toute notre sainte semaine, on la passe justement à enchaîner les réunions de CIC, Commission interministérielle de crise, de conseil de défense, de réunions ad hoc pour à chaque fois trouver les meilleures réponses. Mais je vous incite à toujours bien regarder les foires aux questions du Quai d'Orsay, à consulter le compte Twitter de France Consulaire, le mien. Enfin, on essaye d'apporter le maximum d'informations. Très bien, merci. Si vous voulez, on peut passer également à d'autres sujets. Continuez à poser vos questions, les internautes. Hein, vous êtes très nombreux, ça va très vite. Ça déroule le fil. On a déjà 25 minutes de webinar. On a encore une grosse... encore 20 bonnes minutes avec le secrétaire d'État, donc profitez-en, posez vos questions. Il y a d'autres points que j'aurais voulu pouvoir aborder avec vous, hors évidemment ces points d'actualité très cruciaux hein, qui sont les frontières et la vaccination. Je voulais parler un petit peu également des lycées français, de l'enseignement français à l'étranger, et savoir un petit peu quelle était la situation des établissements français en Amérique latine et dans la zone Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, et comment a été gérée cette crise sanitaire, sachant que là, dans cette zone, on est dans une période de rentrée. Oui, alors l'enseignement français à l'étranger, il y a en 2020, lorsque la pandémie était mondiale, elle est toujours, mais lorsqu'on était au pic, quelque part, à l'acuité, on s'est retrouvé à un moment où, compte tenu des décisions des autorités locales, quasiment 95% des établissements étaient fermés. Et en Amérique latine, c'est vrai que j'avais le témoignage tout à l'heure de l'Argentine où les établissements ont été longtemps fermés et cela a dû aussi imposer une adaptation. Il a fallu très vite organiser une continuité du service pédagogique à travers les outils numériques. Je sais que c'était très exigeant parce que ça demande aussi un investissement important de la part des parents, de la part des encadrants, et donc je veux dire merci parce que je crois que tout le monde a accompagné du mieux possible les enfants. Heureusement, avec cette rentrée qui s'est faite, elle se fait désormais le plus souvent en présentiel, alors parfois avec des demi-groupes, avec des demi-journées, etc. Mais je crois que c'était important, et d'ailleurs nous en France, on a fait le choix de ne jamais fermer les établissements depuis la rentrée, parce que on considère que c'est pour l'enfant, pour les parents, enfin voilà, cet équilibre est nécessaire. Alors, il y a eu face à cela, on avait naturellement une crainte, c'était une baisse massive des effectifs, parce que aussi lié aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Parce que cette pandémie, elle fait des ravages aussi en termes de chômage, en termes de licenciement. Et c'est pourquoi, avec Jean-Yves Le Drian, on a tenu à aller solliciter un arbitrage, et le président de la République a tout de suite dit OK, pour qu'on puisse débloquer 50 millions d'euros de bourses supplémentaires. On en met d'ordinaire 100 millions d'euros par an, là on en met 50 millions de plus, donc c'est 50% de plus, pour aider les familles qui avaient des difficultés, augmenter les quotités, etc. On a également mis en place des aides pour les familles étrangères, mais parce que vous savez qu'elles constituent 2/3 de l'effectif, on a besoin aussi de garder ces familles, donc avec des dispositifs dédiés, et puis aussi des aides aux établissements,
parce que certains se retrouvaient dans des situations critiques. Et là aussi, bah, au total, on a un plan de 220 millions d'euros pour accompagner les Français établis hors de France et bon, 100 millions sur cette dimension éducative. Et les lycées du secteur en ont naturellement bénéficié. Je pense à Jean Mermoz, je pense à Martinez en Argentine. Alors, il y a eu quelques baisses d'effectifs, mais plutôt dû, de ce que je comprends, à des retours de familles sur le sol national, pas une déscolarisation pour une scolarisation dans le système local public. Donc voilà où on en est, et on va continuer naturellement ces aides à cet enseignement français à l'étranger. Le président d'ailleurs, on est aujourd'hui au mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Il y a trois ans, il avait d'ailleurs fixé un objectif, c'était qu'on puisse augmenter le nombre d'établissements, le nombre d'élèves scolarisés dans l'enseignement français à l'étranger. On ne perd pas ce cap, on le garde, parce que on est d'ailleurs au niveau mondial avec une croissance, comment dire, dans un grand nombre de une croissance démographique qui fait que c'est un enjeu d'influence, et puis c'est un enjeu tout court d'accès à un service public, je dirais, et à une éducation à la française. Donc on va continuer, comment dire, en accompagnant et en aidant les établissements de l'enseignement français à l'étranger. Très bien, pour la partie éducation, donc, concernant les aides, notamment, je pense aux entrepreneurs, là on a François qui, je crois en Argentine, qui nous dit quelles sont les aides pour les entrepreneurs. J'ai vu quelqu'un d'autre dans le fil qui disait qu'il avait une agence de voyage et du coup qui demandait, oui voilà, une personne qui dit j'ai des agences de voyage en Argentine, j'ai demandé s'il y avait des aides, des possibilités de recevoir une aide pour mon entreprise. Est-ce que vous avez des informations à nous donner dans ce cadre-là? Parce qu'évidemment, ce ne sont pas des entreprises françaises. Souvent, les entrepreneurs, ce sont des Français installés à l'étranger ou des binationaux. Mais comment la France peut leur venir en aide? Alors, sur les entrepreneurs français établis hors de France qui ont des structures, mais qui, du coup, ne sont pas de droit français. Autant, on a réussi à tricoter une solution avec Proparco, qui est une filiale de l'AFD pour les pays qui sont en voie de développement, autant on n'a pas réussi encore à trouver la martingale pour les autres pays, parce que un certain nombre d'établissements, je pense à la BPI, etc., parce qu'on voulait peut-être travailler à des prêts garantis, etc., leur statut ne leur permet pas d'intervenir sur des entreprises étrangères. Donc, c'est là où on bute un peu sur cet obstacle juridique. J'ai pu m'entretenir avec les conseillers du commerce extérieur et les conseillers étrangers tout à l'heure. Je sais que les conseillers du commerce extérieur sont toujours très créatifs, donc je ne me résous pas encore à cette aporie, à cette impasse. Et donc, pour l'instant, l'outil qu'on a, c'est l'accompagnement social. Ça traite les personnes, ça traite les individus, mais effectivement, ça ne traite pas les sociétés. Et donc, pour l'instant, on est un peu à court de solutions juridiques. Voilà, c'est ça notre sujet. D'accord. En revanche, je crois qu'il y a une ouverture qui se fait concernant le recrutement de VIE. Alors, les recrutements de VIE, exactement, ça, ils peuvent désormais, ils sont ouverts aussi à un certain nombre d'entrepreneurs français. Il faut voir qu'on a encore, compte tenu de la pandémie, un certain nombre de blocages de pays d'accueil. C'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni. C'est un dispositif qui est génial, le VIE, parce que c'est l'école d'application de l'export, c'est les cadres de demain, c'est vrai que ce dispositif, il est un peu, je dirais, malmené à cause des restrictions à la mobilité, y compris imposées par certains de nos partenaires, mais j'espère que très vite, on pourra revenir à la normale, parce que les VIE, c'est vraiment un dispositif qui marche du feu de Dieu et dans lequel on croit beaucoup ici avec Franck. Alors, on a parlé des aides aux entrepreneurs et des possibilités pour les entrepreneurs. Je voulais parler des aides un petit peu plus générales, notamment pour les personnes en situation de précarité, ouais, qui sont dans le besoin. Je vois Hubert qui demande, concernant les aides sociales, jusqu'à quand sont-elles prolongées? Eh bien, justement, on les a prolongées donc en 2021. C'est valable pour l'aide dite SOS, c'est valable pour les bourses. On est dans une situation encore exceptionnelle, on prolonge les aides. Je peux vous dire que les crédits sont loin d'être encore consommés. Et comme je disais au service consulaire, cet argent, il est là pour servir, il est là pour aider les personnes qui sont vraiment dans des situations compliquées. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous manifester.
Alors, on a une question de Philippe qui est à Santa Fe en Argentine qui demande comment faciliter la vie des expatriés en leur permettant de réaliser certaines formalités administratives comme le renouvellement du passeport, la carte nationale d'identité dans des consulats de province ou peut-être en ligne également. Alors, je crois que vous avez avancé sur certains points sur ce sujet. Alors, je crois qu'effectivement, Philippe, dans sa question, le signalait qu'il était à Santa Fe. La situation a été rendue plus compliquée parce que, avec ce contexte, où la circulation, y compris dans les pays, par exemple, souvent, les régions, les circulations entre régions ont été interrompues ou très limitées, les tournées consulaires n'ont pas pu être faites comme elles étaient faites d'ordinaire. Donc, je veux rassurer Philippe, en principe, une mission est prévue à Santa Fe en mai de cette année, justement. Donc, il est possible de prendre rendez-vous. Et sur ces sujets de passeport, c'est vrai que jusqu'à maintenant, la procédure, elle implique une comparution personnelle devant un service consulaire pour s'assurer que c'est bien Philippe qui fait la demande, etc. Bon, c'est un souci de lutte contre la fraude documentaire, mais c'est un sujet que je prends à bras-le-corps parce que je vois qu'un certain nombre de pays, je pense à l'Irlande par exemple, a réussi à dématérialiser sa procédure de renouvellement du passeport. Je parle bien du renouvellement, parce que quand vous l'établissez une première fois, il y a besoin quand même d'avoir cette comparution physique. Mais quand il s'agit d'un renouvellement, je pense que les outils numériques et informatiques actuels nous permettent de mettre en place ce type de procédure. Donc, l'Irlande l'a fait, la France n'est pas la France si elle ne sait pas le faire. Donc, c'est un travail qu'on a entamé. Là aussi, c'est un dialogue un peu franc, on va dire, avec le ministère de l'Intérieur, qui a tendance à mettre ceinture et bretelles. Mais je pense que, le travail est lancé. J'espère qu'on pourra aboutir. C'est vrai que le numérique, il offre aussi quand même pas mal de possibilités. On l'a vu avec la crise, beaucoup d'outils se sont numérisés. Et le service public peut être aussi mieux rendu ou rendu plus accessible grâce à cela. Et donc, on y travaille avec Amélie de Montchalin qui est en charge justement des services publics. Alors, en parlant de numérisation, on a plusieurs questions aussi autour des prochaines élections consulaires qui auront lieu les 29 et 30 mai prochains, le 29 mai dans cette zone du monde, en Amérique latine. Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place pour s'assurer que les électeurs puissent français de l'étranger puissent prendre part à ces élections, et je pense notamment évidemment au vote en ligne. Alors, effectivement, les élections de vos élus locaux, ceux qui vous représentent, nous avons dû les reporter d'un an. Elles devaient avoir lieu en mai 2020. Et puis bon, c'était en plein pic pandémique partout dans le monde. Donc naturellement, le Parlement a délibéré pour repousser d'un an. On y arrive. J'ai signé le décret de convocation des élections. Il est paru dimanche. Donc rendez-vous 29 et 30 mai avec deux types de modalités pour voter. D'une part, vous pourrez continuer à voter à l'urne dans un bureau de vote physique et on a tenu à maintenir un maillage très dense, nonobstant la pandémie, et je rends hommage aux postes qui s'organisent pour cela, ambassade et consulat. Pour vous donner un ordre d'idée, on va réussir à maintenir en principe 80% des bureaux de vote que nous avions en 2014. Pour mettre des chiffres derrière tout ça, il y avait 482 bureaux de vote en 2014 sur 350 sites, et on va en avoir là à peu près autour de 400 sur 300 sites. Donc, ça permet quand même de maintenir un maillage assez important, parce que, et d'ailleurs, un des conseillers me le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont d'ailleurs, qui veulent venir à l'urne parce que c'est l'occasion de rencontrer des compatriotes, c'est l'occasion de sortir, etc. Donc, mais la contrepartie, je dis, mesdames et messieurs, c'est que il faut tenir ces bureaux de vote. Donc, il faut des assesseurs. Donc, j'en profite puisque vous êtes nombreux de l'autre côté de l'écran. On aura besoin d'assesseurs. N'hésitez pas à vous porter volontaire, bénévole pour cette journée. Ça fait aussi partie, je dirais, de la citoyenneté, et je le précise parce que parfois on a du mal à constituer ces équipes. À côté de cette modalité de vote, certains peut-être préféreront utiliser le vote par Internet, puisque on a mis en place une solution qui est totalement sécurisée. Il y a eu deux tests, le dispositif a été validé par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité
informatique. Et donc, avec justement votre téléphone portable, votre mail, vous pouvez voter en ligne. Et j'espère que ça favorisera la participation parce que en 2014, il y a eu seulement 16% de taux de participation. Je trouve que c'est faible, c'est peu, alors que les conseillers des Français de l'étranger, ils sont là sur le terrain, à vos côtés, pour vous aider aux côtés des services consulaires, à apporter des informations, à aider sur des dossiers, etc. Donc, je crois que le fier service à leur rendre, quelque part la reconnaissance, c'est de pouvoir se déplacer, et même pas se déplacer, parce que vous pouvez le faire de chez vous, par Internet. Naturellement, vous glissez le bulletin que vous voulez, ça ne nous regarde pas, mais ce qui compte, c'est, comme disait Courbetin, c'est de participer. Bon, très bien. Une question autour des certificats de vie. C'est Béatrice à Buenos Aires qui dit, en fait, le formulaire envoyé depuis la France doit être signé par l'autorité compétente locale et non dans un certificat séparé. Mais dans le registre national des personnes, donc en Argentine, on ne signe pas de document en langue étrangère. Donc, que faire ? Est-ce que, je sais qu'on a avancé sur ces points, mais est-ce qu'il y a encore des points de blocage ? Alors, pardonnez-moi, Hervé, est-ce que vous pouvez répéter la question comme parce que j'étais en train de regarder aussi les questions qui arrivent en ligne pour apporter des éléments de réponse. Donc, pardon. Juste, je pose ma question et après vous répondez à celle du fil si vous voulez. C'était juste autour des certificats de vie. Est-ce que vous pouvez nous refaire un point ? Parce que je sais qu'il y a eu des avancées, mais apparemment, il y a toujours des blocages, notamment par rapport aux traductions des documents. D'accord. Alors, les certificats de vie. Effectivement, on a voulu faire en sorte que les gens puissent obtenir, tamponner leur certificat de vie en dehors du consulat par les autorités locales. Parce que d'ailleurs, toutes les communautés ne sont pas forcément que dans la capitale où il y a le service consulaire ou le consulat. Et donc, ça permet à la mairie du coin, au commissariat du coin, au notaire du coin, de pouvoir vous certifier ce document qui ensuite est envoyé aux caisses de retraite. Dans un premier temps, c'était un changement d'habitude. Et donc, lorsque certaines personnes avaient du mal, naturellement, les consulats ont continué à certifier, mais l'idée, c'est ça. Après, ce qui se pose avec les certificats de vie, c'est que, et je l'ai vu lors des réunions précédentes avec les élus, parfois, certaines caisses, manifestement, de retraite en France, ont du mal à accuser réception. Parfois, on arrive à suspendre les versements de retraite. Et donc, ça, c'est hyper grave parce que comment être privé de ressources, de revenus pendant un mois, deux mois, voire trois mois. Et donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à le signaler au consulat, à nous le signaler pour qu'on fasse les démarches qui vont bien au niveau des caisses de retraite. Il y a eu un travail en continu avec elles pour améliorer les process. Mais c'est vrai que ça peut être très angoissant quand ça vous arrive. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous manifester auprès du consulat, un petit mail, un appel, pour qu'on puisse, nous aussi, mettre un petit coup de pression dans le tuyau. Alors, j'ai vu que vous aviez repéré une question à laquelle vous vouliez répondre dans le fil. Donc, je vous passe la main. Allez-y. Je voyais Christophe qui disait « Pour quand une mission consulaire au Paraguay ?» Oui. Alors, justement, c'est le consulat général de Buenos Aires qui assure cela. Elles ont repris depuis février. Deux sont prochainement prévues en avril. Donc, voilà un élément de réponse. Catherine demande « Est-ce qu'il y a des procurations pour faciliter le vote ?» Oui, la réponse est oui. Et il y en a deux ou trois. Trois en 2017. Je pense qu'on doit être sur trois. Donc, en tous les cas, ça permet de manifester… En tous les cas, une participation accrue. Donc, les procurations existent encore. C'était un élément que je voulais signaler. Et alors, Sébastien qui dit « Je suis d'accord avec Peggy, des réponses sur la légalité et des réponses sur l'enlèvement de ces restrictions illégales. » Alors, le Conseil d'État est saisi, donc le Conseil d'État se prononcera. Jusqu'à maintenant, le Conseil d'État, il a jugé, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais que… compte tenu du contexte, les autorités étaient habilitées à prendre des mesures qui étaient restrictives, y compris par rapport à certaines libertés fondamentales. Encore une fois, on ne fait pas de gaieté de cœur, le Conseil d'État a apporté cette réponse. Donc, je le dis à Sébastien, on ne ferait pas quelque chose si on pensait qu'on n'était pas en droit de le faire. Et encore une fois, on s'emploie à assouplir cela. Donc, rendez-vous, je l'ai dit, milieu de semaine prochaine.
Oui, certains internautes pensaient que le Conseil d'État allait rendre son avis aujourd'hui, je crois. Hein. C'est ce que j'ai cru voir dans le film, et ça n'a pas été le cas. Alors, en fait, non, je crois qu'il procédait à des auditions et que, du coup, ils ont toujours un délai qui court à partir de là. Alors, j'ai vu une question autour d'une possible ouverture, ou plutôt d'un besoin de consulat à Mendoza en Argentine. Et le Paraguay vous avait répondu, hein, puisque j'avais également noté cette question. Voilà, y a-t-il une mission consulaire prévue à Mendoza pour cette année? Alors, je ne sais pas si vous avez l'information ou si peut-être que le poste pourra répondre à cette dame. Ok, et puis, alors je me tourne vers Riero. Moi, il sera précieux, j'ai la capacité de conserver les messages, de telle sorte qu'on puisse nous-mêmes, parce qu'on n'aura pas répondu à tout ce soir, bien tout lister les problématiques, les préoccupations, de telle sorte qu'on travaille dessus. C'est vrai que vous faites l'effort de participer, d'envoyer des questions, et donc la moindre des choses, c'est qu'on puisse y répondre, même si on ne peut pas tout faire en direct. C'est pour ça que ça sera précieux de pouvoir continuer à accéder à ces questions. Alors, comptez sur nous. Effectivement, on avait reçu déjà plus d'une cinquantaine de questions avant même le démarrage du webinaire. Là, j'avoue que je n'ai pas compté, je vous dirai. On mettra ça dans l'article. De toute façon, vous avez été très nombreux aujourd'hui, plus de 160 à participer. Merci beaucoup. Et je rappelle également que le webinaire sera disponible en replay, que ce replay sera disponible sur le site du petitjournal.com et donc partageable avec d'autres. Et évidemment, on transmettra à M. le ministre, à son cabinet, à l'administration, l'ensemble des questions qui ont été posées. Est-ce que vous, M. le ministre, voulez rajouter quelque chose? Là, on arrive un peu à la fin du webinaire. Écoutez, je crois qu'on a balayé large. Et puis, je trouve que le format interactif des questions et des réponses est intéressant. Notre consul général, vous voyez, vient de répondre pour Mendoza, une mission le 15 mars. Voilà, donc, du coup, les réponses sont apportées aussi en direct quand on le peut. Donc, merci à vous d'avoir permis cette médiation. Encore une fois, je peux vous dire que ce que vous vivez, je vois bien à quoi ça ressemble. J'ai moi-même été 8 ans français établi hors de France. C'était pas forcément en période de pandémie, bien sûr, mais c'était une période très particulière où j'étais dans à Berlin-Ouest et au moment où la tension était maximale. Je peux vous dire que le sentiment parfois d'isolement ou parfois de se dire j'ai l'impression d'être pris en otage, on connaît. Et donc, on va s'attacher vraiment à en sortir le plus vite possible parce que voilà, on a tous envie de pouvoir, je crois, se serrer dans les bras à nouveau, pouvoir retrouver tous les proches. On a tous de la famille comme vous, établie hors de France, et ça nous pèse. Donc, vraiment, je peux vous dire que dès qu'on peut, on fait le maximum. On espère d'ailleurs commencer, je vous l'ai dit, la semaine prochaine sur un certain nombre d'assouplissements. Et pour le reste, essayer d'apporter les réponses les plus, sur mesure sur l'aspect vaccination, les plus fortes en matière de soutien économique et social, scolaire. C'est notre devoir. Vous êtes des Français à part entière, voilà, et pas des Français à part. Donc, on continue le combat ensemble. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État. Merci d'avoir répondu à nos internautes, à toutes ces questions. Merci à tous nos internautes d'avoir participé à ce webinaire, je vois beaucoup de merci, ça fait plaisir. Et rendez-vous très prochainement sur lepetitjournal.com pour l'article et la vidéo. Vous allez recevoir bientôt le lien pour le webinaire et on transmettra évidemment également toutes vos questions. Bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir, Monsieur le Ministre. Bon les cœurs, à bientôt.